Sa tête avait été mise à prix et bien il est désormais hors d'état de nuire. Le chef terroriste et numéro 2 de l'État islamique au Grand Sahara a été tué ce 21 janvier par l'armée burkinabé. Selon les sources sécuritaires, Haruna Oulel alias Abdelmalek était un membre influent de l'EGS. Sa mort est un coup dur pour les groupes armés terroristes et un grand pas de plus pour l'armée burkinabé dans sa mission de reconquête de l'intégrité du territoire. Retour sur la liquidation de ce cadre terroriste avec Sekou Zongo. Un coup de massue porté à l'État islamique au Grand Sahara, ce groupe terroriste qui sème tristesse et désolation dans le Sahel. Haruna Oulel alias Abdelmalek alias Malik, celui dont la tête avait été mise à prix pour la rondelette somme de 150 millions de francs CFA par les services de sécurité burkinabais, ne commettra plus de monstruosité sur le sol des hommes intègres. Ce n'est pas qu'une simple annonce, la preuve est là. C'était le 21 janvier dernier, dans la zone de Markoy. Abdelmalek quitte la zone des trois frontières à destination de Markoy, dans l'Oudalan. Il est à bord d'un pick-up rempli de munitions et escorté par des combattants terroristes à motocyclette. Meurtrier patenté et considéré comme le numéro 2 des chefs opérationnels locaux de l'État islamique au Grand Sahara, il est suivi attentivement par les vecteurs aériens burkinabés. Lui et ses co-assassins marquent une pause sous ce arbuste. La pause fatale. Le vecteur lâche un missile et la cible est touchée. Haruna Oulel alias Abdelmalek alias Malik vient d'être liquidé par l'armée burkinabé. C'est une victoire importante pour le Burkina Faso au regard de son statut dans le dispositif du groupe armé terroriste. L'armée burkinabé engage un ratissage et les résultats sont éloquents. 5 terroristes neutralisés, dont Abdelmalek. 4 autres blessés, un véhicule pick-up, des motocyclettes et de l'armement détruit. Haruna Oulel alias Abdelmalek alias Malik est natif de la commune de Déhou. Il s'est forgé auprès de Abdel Hakim al-Sahraoui alias Bassambo, un cadre sahraoui. Combattant aguerri et meneur d'hommes, très vite, il est porté à la tête d'une importante base dans la zone de Gountouré-Nyenye, dans la commune de Déhou. C'était en décembre 2019. Celui qui s'est spécialisé dans les attaques de convois militaires, les enlèvements, la formation au maniement des armes, finit piteusement sa course ici. Avec sa neutralisation, l'armée burkinabé marque un grand pas dans la restauration de l'intégrité territoriale, en particulier dans le nord du pays.